Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure qui regarde vidéo ça. Bienvenue sur le là, ça fait un peu de temps que je n'ai pas publié des choses sur channel là. Je dis à nous venons là pour nous parler de trading crypto. Ok? Trading crypto, il y a des gens qui est comme si investi dans crypto-monnaie, bien que investi dans crypto-monnaie c'est trading tout. Mais ou qu'a pas décidé d'investir dans crypto sur une plateforme quelconque, quel que soit Binance, quelque wallet quelconque, mais ou qu'a décidé de trader crypto à tout. Ça veut dire analyser marché et crypto à analyser, hein? Et puis trader comme si miser comme ou transiger sur marché crypto que ou voulez trader sur lui, ok? Là, on va présenter nous une plateforme de trading crypto. Plateforme ça c'est plateforme qu'on peut trade crypto ou même ou voulez trade crypto ou qu'à trade sur plateforme ça. Plateforme ça c'est une plateforme ça s'appelle Prime XBET, ok? Prime XBT, ok? Prime XBT c'est qu'on a plateforme là. Et bref, faut-il parler des plateformes là? Et plateforme Prime XBT li fondé en 2018, li ba utilisateur yo possibilité pour trader en pile marché, mais li très réputé pour concernant marché crypto. C'est une plateforme de trading qui présentait un effet de levier qui vraiment high, ok, et où réservé la les traders aguerris conscients du fonctionnement du trading. Avant que ou al tuer un crypto sous Prime XBT, ou supposé qu'on ait le risque, le niveau du risque et à qui joue al tuer, tout ça, ou supposé qu'il y ait une bonne connaissance, nous a fait trading, nous a fait analyse marché. Parce que investissement de la crypto-monnaie sont risqués. Ok, là, plateforme de trading, Prime XBT à lui-même. Et il y a un effet de levier qui allait de 100 à 1000. Avec un paquet d'instruments qui est au jeune Forex, crypto-monnaie et l'autre indice boursier avec matières premières, autant que l'or, hein, gaz, ça, le pétrole, là, etc. Et la attention, le trading à effet de levier n'est pas à prendre à la légère. Les gains, tout comme les pertes, peuvent être conséquents. Je vous recommande dans un premier temps de prendre conscience de leur fonctionnement et surtout de connaître les risques qui leur sont associés. Faut nous ça, ok? Là, nous avons la partie ça, nous avons différents marchés crypto, nous avons Bitcoin, nous avons qui vaut 47 milliards là, Ethereum, Binance, Tether, Solana, Cardano, USD Coin, Wapo, Polkadot. Toutes crypto ça, nous avons disponible sur Prime XBET pour nous commencer à trade crypto. Ok. Comment nous allons démarrer pour nous un trade bien et commencer à ouvrir un compte dans XBET. Prime XBT. Ok. N'a regardé la description vidéo ça, n'a pas le lien là. N'a regardé la description vidéo ça, n'a pas le lien là. N'a cliqué sur le lien là et n'a inscrit. Dans l'inscription, il y a demandé une adresse email, il y a demandé un mot de passe, il y a demandé qui dans qui vous été Haïti, on prend code 509 là, on prend le numéro de téléphone là, on va accepter les conditions d'utilisation de la politique de confidentialité et puis on va inscrire. Et pour finir inscrit, on va sécuriser le compte avec un mot de passe. Et yo dit application XBET est disponible sous Android, sous Play Store, est disponible sous Apple Store, qui c'est pour qui il y a un iPhone. Yo. Même pas conseillé nous. Usely sous téléphone parce que l'interface là pas vraiment un avantage nous même sous tablette tout c'est laptop pour nous avoir une bonne utilisation de plateforme de trading ça ok là ou cas comme si sécuriser plateforme avec authentification Google tout ça pour crypto monnaie il y a un effet de levier jusqu'à 100 et etc etc so là je vais passer dans l'étape fondamentale là côté que t'as dû montrer nous comment pour ouvrir compte là dans XBT
pour nous voir compte dans XBT, n'a cliquer dans la description vidéo ça n'a point le clan n'a créer compte là sous. OK. On va montrer nous comment elle fonctionne. Une fois que nous arrivons sur XBT, n'a point plateforme n'a représenté comme ça. Une fois que nous cliquons sur description dans la description vidéo n'a point le clan, une fois que nous cliquons sur lui, la page comme ça devant nous. N'a pas trade cryptocurrencies, OK. N'a cliqué dans la partie en l'air. Par exemple, si nous pas tellement à l'aise en anglais, nous pouvons mettre sur français là. On met sur français. Nous, yo dit quoi, le XBet, c'est plateforme de trading de nouvelle génération. So, la liste sur français. Et pour nous inscrire, une fois que sur description vidéo, nous la bah nous interface comme ça, n'a pesé et pas conseiller mal des applications sous ni Play Store ni iOS parce que pour téléphone n'a pas un avantage utiliser computer. N'a pesé s'inscrire. Mais comme moi j'ai gagné un compte, on pas pesé parce que bon faire des matchs là pour nous. N'a pesé n'a mis email là, n'a fait tout bail nous et puis n'a inscrit à vos confirmation. C'est pas email pour nous, on a entré code là. Et puis, on a inscrit, même comme tu es déjà pas inscrit là, on va juste connecter. Ok? On va juste connecter. Vers connexion. Ok, on va faire connexion, on va la partie là. On va le connecter avec code là. Ok, je vais mettre mon déplacement et il m'a pesé ouvrir une session. Ok, là je suis connecté sur le compte moyen. Je dis congratulations on your new personal account and please pay to provide users with instant access. C'est un peu continue. Une fois que vous ouvrez un compte dans Prime XBT, il y a $50 bonus comme bonus de bienvenue. Ça le welcome bonus. Je dis comme ça, make a deposit and start trading. Ou ka fait quoi commencer à déposer sous une plateforme là pour commencer à trading. Une fois que vous faites dépôt, il y a $50 bonus de bienvenue. Et là ouvrez compte là puis quand on 6 jours si vous avez un compte après pour commencer tu es sur le web c'est nouvelle t'as un compte après parce que gon minute qu'à contrôler là si 6 jours passés ou pas faire dépôt ou pas gagner bonus là encore une fois que vous avez un compte là avant 6 jours passés ou si vous faire déposit là pour qu'à joindre $50 bonus là. OK, et soit déposer ou pas déposit. OK, là mais l'interface là qu'on présente là, on a pour un dashboard qui c'est tableau de bord en français. Et là, on a pour Bitcoin, on a pour cryptocurrency, on a pour crypto-monnaie aussi. Bitcoin, Ethereum, TetherUSD, USD Coin, Convesting. On a pour toute crypto. Ou qu'a choisi et déposer crypto voulez sous plateforme. Par exemple, ou qu'a choisi déposer par Bitcoin. Ou qu'a choisi déposer par Ethereum, ou qu'a choisi déposer par Tether, ou qu'a choisi déposer par USD Coin, ou qu'a choisi déposer par Convesting. Qui c'est tout ça, c'est crypto monnaie ou qu'a choisi déposer sur plateforme là pour commencer trade. Et même moyen ou qu'a déposer, c'est même moyen ça qu'a faire retrait. Ou qu'a faire retrait par Bitcoin, ou qu'a faire retrait par Ethereum, ou qu'a faire retrait par Tether, ou qu'a faire retrait par USD Coin, ou qu'a faire retrait par Convesting. Là, ok, sign up and start app and après ça, il faut une autre partie encore qui c'est copy trading. Qui ça copy trading? Non, copy trading, non, c'est ou même qui